Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Union Soubon. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant, pas comme les autres. Ce témoignage puissant va nous parler d'une sirène. Une sirène qui veut quitter son monde pour venir dans notre monde ici. Regardez à l'écran, regardez à l'écran. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle une sirène, bon, elle est censée ressembler à cette jolie femme que vous voyez là-bas qui a la queue de poisson. Bien évidemment, Dieu n'a jamais créé une femme avec une queue de poisson et la mettre dans l'eau. C'est tout simplement un démon qui est là comme ça. Et un homme va nous expliquer que lui, il a rencontré cette femme et cette femme-là était genre comme sa deuxième femme. Quoi? Sérieux? Comment une personne peut-elle avoir une deuxième femme et dans le monde des esprits? Oui. Cette personne va nous expliquer que physiquement ici, elle était mariée à une femme et avait des enfants. Mais spirituellement aussi, elle était mariée à une femme sirène et avait des enfants là-bas. Et cette femme sirène-là voulait à tout prix venir remplacer sa femme sur la terre ici. Waouh! Cette sirène-là voulait quitter son monde pour venir aussi dans notre monde et vivre comme nous. Genre comme un être humain ordinaire. Et le plus grave de cette affaire, c'est que cette personne va nous dire que cette sirène va aller jusqu'à prendre le corps d'une jeune femme qui venait de perdre la vie et habiter dans ce corps-là afin de vivre sur la terre avec son gars. Waouh! C'est un truc hors de commun. C'est un truc vraiment bizarre. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous croyez. C'est ce que je vous dis toujours. Il y a tas de choses bizarres que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Mais au travers de ces témoignages puissants comme ça, nous découvrons des choses hors du commun ici sur Union Soubonne. Et waouh, nous remercions Dieu pour ça. Ça nous donne tout simplement des conseils de la vie. Et ça nous permet aussi d'éviter beaucoup de choses. Les gens, eux, ils prennent un malin plaisir à accoucher avec les femmes en désordre. À appeler n'importe quelle fille qui passe au quartier. Ah, bonjour ma chérie, c'est comment tu es belle. Donne-moi tes 06, on va faire quelque chose, on va aller boire. Un jour, tu risques de tomber sur une femme sorcière d'abord, parce que les sorcières, il y en a même beaucoup. Il y en a plein, moi, je les vois tout le temps. Tu risques de tomber sur une telle femme sorcière, et ça risque d'être fini pour toi. Parce que les mauvais esprits, ça ne rigole pas. Et c'est ce que nous allons écouter ici. Cette personne va nous expliquer comment elle se comportait avec sa femme sirène et comment sa femme sirène combattait lui-même sa propre femme ici sur la terre. Genre, cet homme est marié à deux femmes. L'autre femme a une femme spirituelle. Même sa femme qui est à la maison n'est pas au courant que son mari la trompe avec une autre femme, mais ce n'est pas une femme physique, ce n'est pas une femme avec qui elle peut se battre avec le coup de poing. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Il faut la combattre spirituellement parlant. Et c'est la même chose pour toutes les femmes, même si elles sont physiques. Si une femme cherche votre mari, n'essayez pas d'aller physiquement là-bas pour vous bagarrer avec elle. Confiez ce problème à Dieu, afin que Dieu puisse régler ce problème-là tranquillement. Parce que souvent, les jeunes filles dehors qui cherchent les maris des gens, là, en général, ce sont des filles qui sont envoyées par des démons ou des mauvais esprits. Parfois, certaines d'entre elles sont même possédées. Mais elles l'ignorent. Hein? Elles passent tout le temps à se maquiller, à faire des trucs pareils. Mais, hey, ce qui se trouve derrière elles, c'est Dieu seul qui connaît. Comme c'est un témoin qui parlera de Dieu, des anges, des démons et tout ça, je pense que nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger. Si vous êtes d'accord avec moi, fermons tous les yeux et disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, visite-nous aujourd'hui et brise les liens qui nous connectent aux démons et aux sorciers. Brise les liens qui nous connectent au monde des sirènes des eaux. Que toi-même, tu sois toujours là. Toujours là pour nous guider. Toujours là pour veiller sur nous. Que ta main soit sur nous et nos enfants. Protège nos enfants, protège le pays contre toutes les mauvaises choses que les démons font. Tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, de mauvais contre les humains, que cela n'ait point d'effet sur nous et notre famille.
Tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres contre tes vrais serviteurs. Que ce n'est pas de fait sur nous. Que ton nom Jésus-Christ soit dans notre bouche. Et quand nous t'invoquons, réponds-nous. Parce que tu es le seul Dieu que nous avons. Merci Seigneur de lui donner maintenant ton esprit discernement. Pour savoir si de tes bras puissants viennent de toi ou pas. Donne-nous de bien comprendre ça. Et que nos yeux s'ouvrent. Et même qu'on même puisse grandir spirituellement. Et comprendre certaines choses de la vie qu'on a peut-être vécues. Et on avait du mal à comprendre facilement. Et loin de nos chemins, tous les hommes sorciers. Et loin de nos chemins, toutes les femmes sorcières. Que ces gens soient dévoilés quand ils viennent vers nous. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et loin également de nos chemins, tous les démons qui quittent le monde des cimetières pour venir dans ce monde pour finir compliquer la vie des gens ici. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Pendant que je priais, Dieu m'a révélé un truc. Il y a les démons qui quittent le monde des cimetières pour venir dans ce monde-là. Genre, le monde des cimetières, c'est le monde où on va enterrer les gens. Les cimetières que vous voyez là, ce sont des portes d'entrée entre le monde des esprits et notre monde. Ça veut dire que si un démon veut quitter le monde des ténèbres, lui, il n'a pas à se fatiguer. C'est comme lui, son aéroport, c'est. Ce sont les cimetières. C'est comme lui, son port là, ce sont les cimetières. Pour pouvoir entrer dans le pays, dans un pays, quand tu fais voir, tu passes sur un avion, non? Souvent, c'est pas un avion, bien pas un bateau, ou bien la route, mais les frontières. Les deux mondes n'ont pas de frontières. Eux ne connaissent pas ce que vous appelez frontières. Même les gardes frontières ne savent pas ce qui se passe. Faites très attention dans la vie. La vie est vraiment compliquée et il y a tant de violentes choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Mais nous sommes là tous les jours pour faire des vidéos de ce type de moi puissant, pour vous révéler des choses que vous ignorez, afin que vous soyez vraiment bien préparés et que vous ne puissiez plus être distrait. Monsieur, papa, tu as épousé une femme, si tu l'aimes, c'est bien. C'est celle-là même avec qui tu dois marcher. Toutes les petites filles à côté, il faut les laisser. Tu ne feras que te fatiguer. Maman, tu as épousé un homme. Vous êtes bien entendu au départ, même si ça ne va pas tout aujourd'hui. N'écoute pas tes amis qui vont te dire, va chez voir un autre gars dehors qui va bien te faire les choses. Ce sont les choses inutiles. Tu ne feras qu'aller te mettre dans des problèmes et tu peux même attraper de n'importe quelle maladie, même dans ça. Faites très attention, mes frères et sœurs. Faites vraiment très, très, très attention. Maintenant, nous allons écouter sur le moins puissant. Soyez prêts. Nous allons compter jusqu'à 3, disons tous ensemble. 1, 2 et 3. C'est parti, écoutons attentivement et dès qu'il sera possible de réagir, nous le ferons. C'est parti, let's go. Jour après avoir déménagé avec la sirène Elisabeth, j'ai reçu la visite de ma femme et de mon enfant. Je n'ai pas aimé cette visite. J'ai accueilli ma femme et mon enfant à la maison et nous parlions. Quand soudain la déesse Elisabeth est sortie de l'eau du bassin, elle cuisinait dans la cuisine. Quand ma femme et mon enfant sont venus, elle a arrêté de cuisiner et elle est sortie de l'eau en colère, Wow. et elle vibrait. J'ai vu que ses cheveux étaient étirés et ses yeux sont devenus rouges. Elle me dit, Bobby, qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous permis que cela se produise? Nous avons entendu ça, donc sa femme, elle était même ici avec lui, et elle même préparait de la cuisine. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Écoutez très bien. Elle me dit, Bobby, qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous permis que cela se produise? Il ne devrait jamais venir ici, vous savez. Pendant qu'Elisabeth criait, ma femme et mon enfant ne pouvaient pas la voir ou l'entendre crier. Elle me dit, Bobby, qui sont ces gens? J'ai dit à la sirène Elisabeth, ils sont ma femme et mon enfant. La sirène Elisabeth me répondit, je peux voir que ta femme est venue ici pour me provoquer et causer des ennuis. Vous Hein? voyez que c'est elle qui a commencé tout ceci, et donc elle va le payer. J'ai vu qu'Elisabeth tenait un couteau et elle était déterminée à poignarder ma femme et mon enfant. Elle a dit, Bobby, je vais la tuer maintenant. Bobby, tu veux que je les tue maintenant même? Je suppliais Elisabeth qui était extrêmement en colère et j'essayais de la calmer, car elle était extrêmement en colère. Quand j'ai senti qu'elle était sur le point de tuer ma femme, j'ai immédiatement invoqué l'ange de Satan appelé Hyorgène. Cet ange de Satan a été mis à ma disposition pour prier et intercéder pour moi. Il résout également les conflits dans le mariage de satanistes et de sirènes d'eau. Je connais un pasteur et évangéliste de la ville qui sont mariés à une sirène d'eau, et ils travaillent avec des anges de Satan qui empêchent la sirène de tuer leurs femmes et leurs enfants terrestres.
Quand cet ange a atterri dans la maison, elle a commencé à calmer la déesse Élisabeth, et j'ai vu que le couteau qu'elle tenait pour tuer ma femme était revenu à son forme précédente. La sirène a dit à cet ange de Satan, « Tu vas dire à Bobby, c'est la dernière fois que cette femme et cet enfant viennent ici sinon je les tuerai. De toutes les façons, je demanderai à ma fille la princesse des eaux de les surveiller. Ceci est un avertissement car je n'hésiterai pas. » Alors que l'ange de Satan continua de calmer la sirène, pendant ce temps j'ai continué de parler à ma femme et à mon enfant. J'ai dit à ma femme, « Je voyage au centre du Congo. Je ne serai pas ici pendant des mois. Tu vas rester avec ma mère ou tu peux retourner dans ta famille. » Cependant, ma femme a commencé à protester en disant, « Tu as déjà trouvé un logement, on devrait vivre ensemble en famille, et donc je ne pars pas. » Mais plus elle parlait plus je devenais agitée et animée par l'esprit de colère, et j'ai jeté une bouteille vers elle. Dieu merci la bouteille l'avait manqué bien qu'elle ait été blessée par un projectile. Et quand j'ai commencé à battre ma femme, j'ai vu la déesse Élisabeth qui rigolait et elle était très heureuse. Rapidement les voisins sont venus intervenir et ils ont emmené ma femme hors de la maison. Quand elle était sur le point de partir, je voulais lui donner de l'argent qu'Élisabeth m'avait donné. Mais ce dernier ne m'a pas laissé lui donner de l'argent, elle était tellement en colère qu'elle m'a dit, « Tu vas reprendre cet argent que tu l'as donné. » Je ne veux pas qu'elle prenne mon argent. Élisabeth me dit, puisque tu aimes m'aggraver, je vais faire couler le sang de ton fils, et si tu continues dans cette attitude mes enfants dans le monde des eaux vont tuer ta femme et ton fils. Vu que la sirène Élisabeth continuait de proférer de menaces, je voulais appeler l'ange de Satan Jorgan pour la deuxième fois pour qu'il puisse calmer Élisabeth. Mais j'ai remarqué que la sirène Élisabeth avait coupé toute ma communication. J'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix que reprendre l'argent d'Élisabeth de ma femme car elle menaçait de tuer ma femme à cause de son argent. Lorsque ma femme et mon enfant sont partis, Élisabeth me dit, « Bobby, entrez dans la maison et asseyez-vous. » Quand je suis entrée, elle est venue s'asseoir sur mes genoux et a commencé à me caresser. J'ai réalisé que les sirènes sont des créatures qui sont avancées en termes de séduction, de luxure et de sexualité. Elles sont des esprits de l'impureté sexuelle. Quand Élisabeth me caressait, j'ai ressenti une paix comme jamais auparavant. Plus tard, nous sommes allés boire un verre dans un bar dans la ville. Quand j'ai commandé la bière, j'ai demandé à Élisabeth, « Qu'est-ce que tu vas boire ?» Elle me dit, « J'ai un verre de sang que je veux boire. » Je lui ai demandé à qui appartient le sang que tu veux boire. Elle me dit, « C'est le sang de ton fils. Je vous ai déjà averti. Toutefois, votre fils ne mourra pas à cause de ceci. » C'est juste pour vous avertir que si vous continuez avec cette femme je vais le tuer. Quelques jours plus tard j'ai reçu un appel de ma mère me disant que mon fils était dans une situation critique. J'ai invoqué le Dieu de l'union. Ce dernier m'a dit je ne peux rien faire pour votre enfant. Votre cas est entre les mains de la reine des reines de l'océan Atlantique au Nigeria. J'ai demandé un mot de passe à cet ange pour que je puisse voyager sous l'océan pour rencontrer la reine des reines que j'ai rencontrée la dernière fois. Mais cet ange me dit, vous êtes têtu et vous n'obéissez pas. C'est pourquoi vous êtes dans cette situation. J'ai essayé de supplier cet ange mais il était catégorique. Car dans le monde de Satan il n'y a pas de miséricorde et de compassion. Ils ne changent pas leur nom en oui. Plus tard j'ai appris que mon fils était dans un état critique. J'ai dit à mon fils, vous ne mourrez pas. Quand je suis retourné à la maison, j'ai dit à Élisabeth, vous essayez de tuer mon fils. Sachez que vous ne tuerez pas mon enfant. Sinon vous aurez à me tuer au préalable. Élisabeth me répondit, Bobby, sais-tu que si tu meurs aujourd'hui tu seras toujours mon mari et tu seras avec moi dans le monde des eaux. Et donc, que tu sois vivant ou mort tu seras mon mari sous l'Atlantique et dans la surface et nous continuerons comme d'habitude. Vous n'irez nulle part, et votre mort ne fera aucune différence. Que vous soyez vivant ou mort nous resterons ensemble. Tu n'as pas d'endroit où fuir nous serons toujours mari et femme. Les esprits marins à la recherche des corps humains. Aussitôt j'ai invoqué l'ange de Satan Jorgen. Quand il est venu nous sommes allés ensemble vers le quartier 2 de Massina, autour de la rivière Mukali. Et nous nous sommes assis sur un rocher. Élisabeth me dit, Bobby, j'ai besoin de revêtir de la chair humaine aujourd'hui et d'opérer physiquement sur la terre. Rendez-moi ce service. J'ai besoin du corps d'une femme pour fonctionner physiquement dans le monde des hommes. Vous devez naviguer dans la rue de la ville afin de me trouver les funérailles d'une femme. Je veux devoir utiliser son corps dans le monde physique. Puis je l'ai laissé à l'ange de Satan. Et j'ai commencé à naviguer dans toutes les rues de la ville à la recherche d'une funéraille. Finalement j'ai vu une famille qui avait perdu un être cher et ils étaient en deuil. Quand j'ai vu la photo de la femme décédée, j'ai dit qu'Élisabeth aimerait utiliser son corps. Quand je lui ai parlé, elle m'a demandé de suivre le corps jusqu'à la cérémonie d'enterrement. Aussitôt que nous sommes arrivés au cimetière,
Un pasteur a commencé à prier pour la cérémonie d'enterrement. Il y a des pasteurs quand ils prient tout ce qu'ils disent sont exécutés par le ciel, mais il y a aussi des pasteurs quand ils prient, leur parole est vide, et quand ce pasteur priait et prononçait des mots, j'ai vérifié son état spirituel et j'ai vu qu'il était vide, disait-il, j'arrête les esprits qui viennent utiliser des cadavres dans le cimetière, mais en vérité il n'y avait aucune puissance dans ces mots. Quand il était temps de jeter les fleurs dans la tombe, Elisabeth m'a instruit de jeter la fleur en récitant son nom trois fois. C'était son mot de passe. Dès que j'ai jeté la fleur dans la tombe, immédiatement l'esprit de la défunte qui a été enterrée s'est levé du cercueil et m'a rejoint, et nous sommes sortis du cimetière et nous avons commencé à marcher dans la rue. Les yeux de cette dame étaient fermés mais elle marchait tout de même après moi, et pendant que nous marchions dans la rue, chaque fois qu'il y avait la présence et la puissance de Dieu, Elisabeth me prévenait de dévier, afin d'éviter la puissance de Dieu qui est susceptible d'annuler cette opération. Plus tard j'ai convoqué le corbeau qui était mon assistant, qui était supposé mettre en place un périmètre de protection d'environ 30 mètres pour éviter la puissance et les rayons des hommes de Dieu susceptibles de retourner cette femme au cimetière. Quand nous sommes arrivés devant Elisabeth, elle fut de prière magique et entra dans le corps de la dame et disparut devant moi. Plus tard quand elle m'a rejoint à la maison j'ai vu qu'Elisabeth opérait sous l'apparence de cette femme qui était déjà morte. Elle habitait le corps d'une femme décédée. C'est alors que j'ai commencé à vivre physiquement avec cette dame et les gens qui étaient étonnés par sa beauté ont commencé à me demander qui était la dame. En fait elle m'encourageait à vivre avec elle car elle avait la beauté. Quand elle est devenue physique, elle me dit, puisque vous m'aidez à obtenir ce corps humain, j'ai besoin de plus de votre aide. Vous allez voyager sous l'Atlantique pour amener mes trois enfants qui doivent me rejoindre à la surface de la Terre, afin qu'ils puissent aussi influencer cette génération. Là sont des esprits marins qui quittent l'eau océanique et qui viennent vivre physiquement ici grâce aux cadavres des morts. C'est pourquoi il y a des gens qui ressemblent à des gens que vous connaissez. Vous pouvez voir un homme qui ressemble à votre défunt avec un visage ayant une différence mineure. Essentiellement, lorsque les esprits obtiennent le corps humain afin de l'utiliser, ils effectuent des modifications mineures sur le parti du corps, comme sur le nez ou la bouche ou les yeux. Quelques jours plus tard, Elisabeth me dit, « Étant donné que vous m'avez donné ce corps, je rendrai le sang de votre enfant. Mais il y a une femme dans ce complexe ici avec un enfant. Son mari est à l'étranger. Je vais tuer leur enfant car mes enfants ont besoin de corps humain. » Le lendemain matin j'ai vu Elisabeth rire excessivement. Alors qu'elle continuait de rire j'ai commencé à entendre les cris de mes voisins. C'était à vrai dire la mort de leur enfant. Le matin même où l'enfant est mort, Elisabeth m'a envoyé chercher sa fille sous l'océan Atlantique. Ce jour-là j'ai récité un mot de passe. En conséquence un portail était ouvert menant à la rive de l'océan Atlantique, où j'ai été accueilli par la fille d'Elisabeth. J'ai dit « Votre mère m'a envoyé pour vous ramener à la surface. Je suis descendu sous l'eau, j'ai dépassé la première couche de l'eau, puis j'ai atteint la deuxième couche de l'océan, où j'ai vu des bêtes monstrueuses. J'ai vu des hippopotames et des rhinocéros démoniaques. Ils étaient effrayants et monstrueux par rapport aux animaux sur la Terre. Ils étaient inimaginables. Et enfin j'atteins le troisième niveau d'eau océanique qui était la civilisation atlantique. J'ai été reçu par la reine des reines de l'océan, qui m'a donné des instructions sur la façon de fonctionner et d'accomplir ma mission. À la fin j'ai amené les filles d'Elisabeth à la surface de la Terre. Quand elle arrive dans ma maison, Elisabeth m'a envoyé au cimetière où l'enfant décédé devait être enterré. Ce jour-là, je devais ramener le corps de l'enfant à la maison, pour que la fille d'Elisabeth entre dans le cadavre, pour lui permettre de vivre dans le monde physique avec un corps physique. Je suis allé au cimetière et j'ai laissé tomber une fleur rose sur la tombe de l'enfant, et j'ai fait la prière magique. En conséquence l'esprit de l'enfant est sorti du cimetière et a commencé à me suivre. J'ai commencé à la guider vers notre place. Je me suis assuré de dévier de la rue où il y avait un pouvoir divin qui pouvait avorter cette opération. Quand j'arrive à la maison avec l'esprit de l'enfant, la fille Elisabeth a fait une formule magique pour entrer dans le cadavre. J'ai donné à Gabriel le corps de l'enfant qui meurt dans notre complexe. L'esprit marin est jaloux, c'est pourquoi Elisabeth était désespérée de tuer ma femme. La princesse Gabrielle est devenue une épouse spirituelle. Quand le père de l'enfant décédé est venu d'Europe pour l'enterrement de son fils, très vite, il a remarqué la beauté d'Elisabeth. Et il me dit, j'aimerais pouvoir épouser une sœur d'Elisabeth. Pourtant il n'avait jamais rencontré Gabrielle, la fille d'Elisabeth. Plus tard cet homme est revenu en Belgique. Toutefois il avait déjà contracté le mariage spirituel avec Gabrielle qui est devenue sa femme spirituelle. Bien aimé, quand vous avez une femme de nuit vous allez vous retrouver en train de manger les aliments qu'elle vous a préparés, qui sont à vrai dire des parties humaines, comme les poumons, les reins, le pancréas.
En effet, ces esprits des eaux ne mangent pas notre nourriture. Ils mangent des parties humaines qui est mélangée avec des produits que vous ne comprenez pas. Aussitôt que Gabrielle est devenue la femme spirituelle de cet homme, nous avons commencé à voyager en Europe, en Belgique où il vit. Dès que Gabrielle se mariait avec cet homme, elle a juré de séparer cet homme avec sa femme. Lorsque vous avez un femme de nuit ou un mari de nuit, votre partenaire spirituel va se mettre à vous dominer, vous et votre maison, et vous mangerez sa nourriture en rêve et vous aurez des relations sexuelles avec elle. Dans ce mariage, j'ai vu Gabrielle placer une perle sur le front de cet homme pour le garder. Elle lui protégeait car il est devenu son mari. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'océan Atlantique, me disant de revenir sous l'océan pour sortir plus des esprits de mer. J'ai dit à la reine de l'océan Atlantique, « Je dois d'abord parler à Elisabeth. » La reine des reines a accepté mais elle n'était pas contente de ma réponse car elle était supérieure à Elisabeth. Quand j'ai parlé à Elisabeth, elle m'a encouragé à voyager sous l'Atlantique, visiter sa mère, une maison avec un résident invisible. Plus tard, Elisabeth me dit, « Tu vas déménager, retourner chez tes parents, mais ne prends rien, parce que nous devons faire des sacrifices humains avant de quitter la maison. Tu vois notre voisin, le jeune homme qui est assis là, c'est lui qui doit mourir. Il n'a qu'à dormir dans notre maison et il mourra. » Immédiatement je suis allé voir le jeune homme. Je lui ai dit, « Frère, je voyage hors de la ville, voudrais-tu dormir dans ma maison en mon absence pendant que je suis en déplacement ?» Le jeune homme accepta mon offre et il a rapidement aménagé chez moi. Mais cependant, dans la nuit alors qu'il dormait, il a commencé à voir des phénomènes paranormaux. Il voyait des monstres et des bêtes de l'océan Atlantique que j'ai vu dans la deuxième couche de l'eau océanique, comme la crêpe, les anacondas, le crocodile et les monstres marins ainsi de suite. Il a également vu des filles de la sirène Elisabeth qui résidaient dans notre maison. En conséquence, cette jeune a perdu la tête. Tôt le matin il criait, courait et racontait des bêtises, et il demandait de l'aide. En fait il prétendait avoir été attaqué par des bêtes et des monstres dans la maison. L'intervention du faux pasteur, alors que les gens dans la voisinage sont venus voir le jeune qui était devenu fou. Du coup, un prophète du quartier est venu intervenir. Mais sa puissance ne venait pas de Dieu. Il recourait au mysticisme pour faire de miracles. Cet homme de Dieu est venu capturer ces esprits qui tourmentaient le jeune homme afin de les mettre à son service. Car le jeune homme n'arrêtait pas de dire aux gens « Je vois des sirènes et elles sont jolies ». Il disait, « Les gens venaient voir les sirènes des hôtels sont jolies et leurs cheveux sont trop longs ». Bien que cet homme était devenu fou, toutefois il voyait sans doute des choses que personne ne voyait. Mais quand ce prophète est venu, il a vu des sirènes océaniques qui étaient très puissantes. Cet homme de Dieu s'est retrouvé face à des bêtes démoniaques de l'océan Atlantique, bien que le prophète travaillait pour le diable. Il n'a jamais rencontré ces forces sous-marines auparavant. Et quand cet homme de Dieu a essayé de dominer les sirènes et les bêtes océaniques, il a perdu la raison et il est devenu fou comme le jeune. C'est ainsi que le jeune homme et le prophète furent emmenés à l'église. Et quand les gens priaient pour le prophète dans cette église-là, les sirènes océaniques ont commencé à parler dans la bouche du prophète et ils ont dit, « Nous ne quitterons pas son corps ». Il a essayé d'étouffer notre cristal, et il a essayé de se déplacer dans nos rayons, qui nous permet de vivre à la surface de la Terre. Où sommes-nous supposés rester s'il entre dans nos rayons qui nous permettent de vivre à la surface? Et donc cette église n'a pas pu chasser ces esprits marins de l'océan. En conséquence, le jeune homme qui était devenu fou a été enchaîné, et le prophète a été emmené dans son église où les gens priaient pour lui. Les gens dans les voisinages sont devenus méfiants à mon sujet à cause de ces incidents. En effet, ils ont commencé à entendre des voix des esprits dans ma maison. La sire Elisabeth m'a appelé et me dit, « Je vous rappelle que vous avez amené ces dames de l'océan à la surface pour leur trouver des corps qui les permettra de vivre physiquement ici à la surface. Mais jusque-là vous ne parvenez pas à les trouver des corps humains pour eux. Pourtant vous aviez accepté la mission d'aider les esprits marins à leur fournissant des corps humains. Vous devez comprendre que ces dames des eaux ne peuvent pas devenir des esprits errants. Vous devez leur trouver des corps. » Plus tard, alors que je m'apprêtais à retourner dans la maison de ma maman, j'ai vu que tout le monde dans le quartier me fuyait. Ils savaient que j'étais sans doute un sataniste, car j'étais responsable de la mort du jeune homme qui a dormi dans ma maison et est devenu fou. Quand je suis venu pour la dernière fois prendre les meubles, les gens m'ont quand même permis de rentrer à l'intérieur de la maison et récupérer mes biens afin de déménager. Elisabeth me rappela et dit « Tu dois faire quelque chose pour ces dames de la mer, frère. » Quand tu veux louer un endroit, tu devais prendre autorité sur le lieu où tu veux vivre. Car il y a des maisons qui appartiennent à des esprits invisibles. Ces maisons étaient dédiées aux mauvais esprits. Et bien que nous connaissions le bailleur, le vrai seigneur propriétaire sont invisibles. Ce jour-là, nous avons sorti les meubles et nous étions sur le chemin et on se dirigeait vers la maison de ma mère. Quand j'arrive aux environs du pont de la rivière Njili,
J'ai été arrêtée par des soldats qui refusent de nous laisser passer. Elisabeth me dit, je dois faire une démonstration ici pour que ces militaires nous laissent. Puis j'ai vu trois dames venir. Soudain Elisabeth a fait des signes avec sa main. En conséquence, trois princes de la mer sont apparus, et elle leur a donné de la lotion pour qu'elles puissent les appliquer sur la trois dames qui venaient en notre direction. C'était pour les rendre séduisantes. Ces princesses ont appliqué la lotion sur les trois dames qui voulaient passer là où nous étions arrêtées par les militaires. Ces femmes sont devenues séduisantes aussitôt que la lotion fut appliquée sur leur visage, et quand les soldats ont vu ces femmes venir, toute leur attention s'est portée sur elles. En conséquence, ils nous ont demandé de partir. Quand nous avons avancé, Elisabeth a instruit les trois dames de la mer de sauter dans le ruisseau et suivre le feu rouge. Finalement, nous sommes arrivés à la maison de ma maman, la maison de ma mère et les bêtes sous-marines. Quand nous sommes rentrés à la maison, Elisabeth me dit, « Maintenant j'ai besoin de la compagnie, et j'ai besoin de cinq princesses de la mer pour me tenir compagnie dans cette maison de ta mère. » J'ai contesté cela, mais Elisabeth a insisté. Soudain j'ai vu Elisabeth lever la main. En conséquence, elle a été rejointe par les esprits de la mer dans la maison de ma mère, qui avait changé, au fur et à mesure que je vivais avec Elisabeth dans cette maison. J'ai vu que la maison de ma mère n'était plus à la surface de la terre mais sous l'eau. En vérité, nous étions vivants sous l'eau, mais personne dans la maison n'a pu voir cette réalité. J'y pouvais voir des bêtes marines comme des anacondas, des crocodiles démoniaques et des tortues démoniaques qui rampaient partout dans la maison. Mais cependant, ma mère et mes sœurs ne pouvaient pas les voir. J'ai vu que notre maison était sous l'océan Atlantique où je voyais les bêtes se déplacer. Un jour, un homme de Dieu passait dans le quartier. Il a dit, « Il y a des maisons qui ne sont pas sur terre, elles sont dans le monde des esprits et les résidents de ces maisons sont en prison dans le monde invisible. » Quelques jours après avoir emménagé dans la maison de ma mère, ce dernier me dit, « Mon fils, je dormais et je rêvais, mais dans ce rêve, j'ai vu un crocodile que je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Ce genre de crocodile n'existe pas sur la terre. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur les animaux et je connais le genre de crocodile que nous avons sur la terre. Mais ce crocodile-là dans le rêve était autre chose. J'ai dit à maman, tu as sûrement regardé un film sur les crocodiles, mais comme nous parlions, j'ai entendu Elisabeth et les dames de la mer qui rigolaient et se moquaient de ma maman. Je savais que la maison de ma mère était devenue une habitation de toutes sortes de bêtes de l'océan Atlantique. Un jour j'étais assis sur le canapé et je me détendais. J'ai vu des petits serpents qui se déplaçaient partout dans la maison et s'enroulant sur tout mon corps. Un autre jour j'ai vu un serpent entrer dans la maison et se diriger vers la chambre de ma mère. Très vite j'ai attrapé ce serpent. Soudain j'ai vu que l'une des dames de mer qui était amie de la sirène Elisabeth était bouleversée. Elle me dit, « Bobby, pourquoi as-tu attrapé mon enfant de cette façon? Vous ne devriez pas faire cela. » Cette princesse dit à ce serpent que j'avais attrapé, « Mon fils. » Puisqu'il t'a attrapé de cette façon, entre dans son corps. Très rapidement j'ai vu ce serpent entrer dans mon corps à la vitesse de la lumière. La dame de la mer qui était une amie d'Elisabeth me dit, « À partir de maintenant tu mangeras du sable comme mon enfant le serpent, pour nourrir mon enfant. » Depuis ce jour je ne mangeais plus de la nourriture normale et ma santé commençait à se dégrader. Ces esprits marins étaient dictatoriaux. Quand elles disaient quelque chose ils ne changent pas leur décision, et si vous ne le faites pas, c'était la punition. J'ai commencé à sentir comme si le Dieu de l'Union était loin de moi, le pasteur charnel et les bêtes de l'Atlantique. Alors que ma mère était troublée par la vision du crocodile, un pasteur a vu que j'étais dans l'occultisme, et il est venu avec ma mère pour prier pour moi. Elisabeth et moi étions préparés pour le combat spirituel contre ce pasteur. L'homme de Dieu n'avait aucune compréhension du genre de puissance auquel il faisait face. Pour vaincre l'ennemi dans une bataille spirituelle, vous devez être un serviteur dévoué qui est sérieux avec le Seigneur. Cet homme m'a dit, « Je vous ai vu dans une vision avec une queue. J'ai besoin de prier pour vous et votre famille. » Et quand il a été invité par ma mère à prier, ce jour-là pendant la prière, la bataille spirituelle a commencé dans la maison. Quand j'ai ouvert les yeux spirituels, j'ai vu que cet homme de Dieu était vide. Pendant la prière, la déesse Elisabeth a obtenu le fouet de Valkeur, qui est le maître de la discipline dans le monde de Satan, et elle a commencé à fouetter l'esprit du pasteur pendant, lui disant de mourir. Alors que la bataille se poursuivait, j'ai vu le crocodile démoniaque de l'océan. Ce démon a avalé cet homme de Dieu, qui a commencé à transpirer. L'homme de Dieu était vivant mais je voyais il était déjà dévoré par le crocodile et il était emmené en captivité. Plus tard ce pasteur m'a invité chez lui, où il m'a posé des questions sur mes pratiques. Ce qui était étonnant est que ce pasteur semblait intéressé par mes pratiques sataniques, et j'ai été stupéfait de voir cet homme de Dieu intéressé à rejoindre mes pratiques sataniques. Je lui ai donné un livre car il était curieux.
Je lui ai recommandé de rejoindre notre congrégation. Il n'a pas hésité à aller dans notre église, où il a été accueilli et plongé dans l'eau de purification et il était censé passer par le rituel. Nous étions dans le sous-sol de l'église où il a été invité à s'agenouiller, et quand il l'a fait, un maître est apparu et plaça sa main au-dessus de sa tête. Soudain, le pasteur cria et me dit, « Vous m'avez fait quoi ?» Bobby, j'ai vu que derrière nous était l'esprit du pasteur, et devant le corps du pasteur était à genoux. En fait, l'esprit du pasteur était déjà capturé quand il était avalé par le crocodile démoniaque et il était dans le chêne. Notre prêtre dit au pasteur, « Nous t'avons eu et tu es fini. » J'ai vu le prêtre introduire un démon dans le corps du pasteur, et ce démon était supposé animer le corps du pasteur à la place de son esprit qui était capturé. Le prêtre a aussi introduit l'esprit de maladie dans le corps du pasteur car il devait mourir par la maladie. Techniquement, le pasteur était déjà mort car ce qui animait son corps était un démon et l'esprit du pasteur était dans le chêne en captivité. Quand le pasteur est rentré chez lui, soudain il est devenu fou. Il y avait la clameur dans le voisinage, tout le monde me suspectait. Le pasteur fut amené dans son église. Aussitôt que ma maman était de retour à la maison, elle a appris ce qui était arrivé au pasteur. Quand elle se rendit chez le pasteur, je lui ai suivi. Quand nous sommes arrivés chez le pasteur, j'ai vu des intercesseurs prier, mais j'ai remarqué qu'il y avait juste une petite lumière brillante qui était là de gloire de Dieu sur eux. La présence de Dieu était minime parmi eux. Elisabeth me dit, « Bobby, envoyez ces intercesseurs qui prient l'esprit de fornication, afin que nous puissions éteindre leur petite lumière et la gloire de Dieu minime autour d'eux. Comme ça nous pourrons achever le pasteur. » Rapidement j'ai envoyé les démons de la fornication dans le corps des intercesseurs, mais l'un d'eux est tombé au sol et a commencé à parler dans une langue étrange. J'ai dit à Elisabeth, je leur ai envoyé le démon de la fornication mais l'un d'entre eux parle une langue inconnue. Elisabeth me dit, je veux vous envoyer l'interprétation de la langue inconnue que cette femme parle. Placez maintenant votre main sur vos oreilles. Immédiatement j'ai placé ma main sur mes oreilles. J'ai commencé à entendre la dame comme s'il parlait dans ma langue maternelle. La dame disait, vous n'introduirez pas l'esprit de fornication dans ce corps. Je peux voir où vous êtes. Vous devez comprendre que je suis Jésus-Christ et je suis le maître de tous les esprits. Et je vous ordonne de quitter et de partir de cet endroit. Immédiatement j'ai entendu Elisabeth me dire, ne l'écoutez jamais. Ne suivez jamais ses ordres. Restez là juste là. Le Seigneur continua de parler et il me dit, partez maintenant. Je te commande de partir. Je suis Jésus-Christ et je t'ordonne de quitter cet endroit. Mais je continuais de dire que je ne pars pas. Alors Elisabeth me dit, « Commande celui qui vous parle en mon nom. » J'ai dit à Jésus-Christ, « Au nom de la reine de la mère Elisabeth, je t'ordonne de te taire. » Jésus a répondu, « Vous êtes têtu et vous osez parler de cette façon. Maintenant vous verrez. » Quand Jésus a parlé de cette façon, immédiatement j'ai vu la dame qui parlait en langue se lever du sol. Et elle a pris sa voile, et quand elle a couvert sa tête, j'ai vu deux anges puissants et brillants atterrir à grande vitesse. Quand je les ai vus, j'ai commencé à fuir, et je me suis envolé dans l'air. Mais j'ai vu l'ange de Dieu voler dans l'air après moi et il me pourchassait. Quand je volais dans l'espace, Elisabeth me dit, « N'entrez pas dans l'eau, car vous ne sortirez pas si vous osez. Allez plutôt dans l'odge. » Mais quand j'arrive au croisement menant vers la loge, j'ai vu les chérubins de Satan, au nom de Lourd. Il était robuste. Il a atterri au carrefour et m'a dit, « N'ayez pas peur. Restez derrière moi. » Puis il a dit à l'ange de Dieu, « Cette zone nous appartient, vous ne pouvez pas entrer. » L'ange de Dieu a répondu, « Nous entrerons dans cette zone. » Immédiatement les chérubins de Satan me dit, « Bobby, allez vers la loge. » Immédiatement j'ai survolé vers la loge alors que la bataille angélique a commencé derrière moi. Quand j'arrive dans notre loge, j'ai vu tous les maîtres que étaient rassemblés dans la prière soutenant les chérubins de Satan, qui étaient enfermés dans une bataille continuelle contre les anges de Dieu. Nous étions assis en regardant la bataille angélique intense qui se déroulait au carrefour. Il y avait une atmosphère de peur et de danger. Nous savions que la défaite de l'ange de Satan était notre destruction, la reine des reines de l'Atlantique et le dieu de l'Union. Alors nous prions avec intensité pour soutenir le chérubin de Satan qui se battait avec l'ange de l'Éternel. Plus nous prions, je voyais que nous descendions sous l'eau, et je voyais que nous étions enfin sous l'océan Atlantique, et je voyais la reine de l'océan Atlantique. Elle s'est présentée brutalement. Elle a dit, « La situation est grave. Cette bataille n'est plus à votre niveau. Je vous ai donné ma fille Elisabeth avec un grand pouvoir. Mais comment vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous faites face à une dame opposée à ma fille utilisant ce nom contre Elisabeth? Nous devons appeler le Dieu de l'Union. Chaque fois que ce Dieu de la Terre apparaît, l'environnement change et disparaît pour être remplacé par une montagne s'élevant du sol. Lorsque nous appelions le Dieu de l'Union,
J'ai entendu le son de cloche qui sonna trois fois pour signaler son arrivée. Quand le dieu de l'union est apparu dans ce rassemblement sous l'océan Atlantique, une montagne s'est levée du sol. Une voix a dit, « Saluez le dieu de l'union ». Quand nous nous sommes inclinés devant le dieu de l'union qui est apparu dans l'espace au-dessus de la montagne, et il y avait des tonnerres, des éclairs et des réverbérations, et derrière le dieu de la terre il y avait d'innombrables anges ayant de nombreuses ailes, j'ai vu que ces anges tenaient des tridents dans leurs mains. Cette fois-ci, le dieu de l'union ne parlait pas en japonais comme d'habitude, a-t-il dit à la reine de l'Atlantique, reine de la mer, reine de l'eau, ne vous fâchez pas, continuez à faire ce que je vous demande, quand je vous demande de faire quelque chose, je sais ce que je fais, c'est moi qui a mis Bobby sous votre garde, afin qu'il soit doté du pouvoir du royaume marin, vous devez vous unir à Elisabeth pour combattre cette femme jusqu'à la mort, je veux que Bobby couche avec sa mère pendant cette semaine parce que je veux la semence de cet enfant, alors le dieu dessus de l'union disparit. À ce moment Elisabeth a dit, saluons la reine des reines, la grande reine, nous tous ont salué la reine des reines, et j'ai vu d'innombrables déesses, des princesses des reines atlantiques, et ils tenaient des perles de femmes. J'ai vu qu'Elisabeth et la reine de reines avaient le même visage. Puis j'ai vu la reine des reines de l'Atlantique adopter une autre apparence. Elle était plus belle avec un nouveau type de cheveux et d'ongles et elle brillait. Puis elle s'est allongée sur le sol. J'ai vu la sirène venir avec la peau d'un crocodile dans laquelle il y avait un liquide vert. Et ils ont mis de la perle dans ce liquide, dans laquelle la reine de reines s'était allongée et ils ont commencé à s'élever dans l'espace en nous disant qu'ils reviendraient dans 2 jours. Puis je suis revenu dans mon... Dans son corps, puis je suis revenu dans mon corps. Ah, sérieux? Donc sa sirène était en guerre contre sa femme. Et elle venait sur la terre pour faire des bêtises. Est-ce que vous croyez à une telle histoire, à un tel témoignage? En général, quand vous écoutez ça, vous vous dites, mais waouh, ça ressemble vraiment à un film. Mais c'est ça, la réalité du monde de l'esprit. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.